sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté. Paul Éluard. Il s'agit d'une idée venue du réseau de la Mission Laïque Espagne, le réseau des établissements Mission Laïque, qui depuis quelques années organise des rencontres théâtrales, musicales, sportives, scientifiques, puis a surgi l'idée de faire des rencontres poétiques. Nous, la façon qu'on maîtrise et qui rejoint la poésie, c'est nos techniques de théâtre en fait. C'est comment trouver la poésie à l'intérieur de chaque petite chose, la poésie dans l'intime, quoi, dans l'intime de qu'est-ce que c'est que le mouvement d'un doigt, le déplacement dans l'espace, où est cette poésie-là ? Ici à Villanueva, 9 établissements de la mission laïque française d'Espagne et environ 112 élèves accompagnés chacun par 2 professeurs qui viennent de chacun des établissements de la mission laïque. Dire le monde. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad, el caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Ce projet de rencontre poétique a démarré il y a 2 ans, où a surgi cette idée-là de faire se retrouver des élèves autour de la poésie. Alors il s'agissait pour nous, pour les établissements, de faire se rencontrer des élèves autour d'un thème assez peu commun, la poésie. Digas al monde. Dire le monde. Decir el mundo. Ellos entienden el poema como algo clásico, cerrado, entonces hay que intentar vincularle el poema a lo que hoy en día existe en otros estilos mucho más modernos y contemporáneos como el rap, o como slam, o como otro tipo de alternativas. Entonces hay que vincularle eso. Y en el momento en que ellos tienen la posibilidad de ver que el poema puede ser mucho más abierto del concepto que ellos tienen, pues son capaces de jugar mucho más con la temática. Empezamos a hacer un proyecto con palabra y con movimiento, a escoger poesías y a ver cómo esto lo llevamos con el cuerpo, a través del cuerpo. Porque en principio teníamos que traer aquí un pequeño proyecto de 5 minutos por colegio. Bueno, a mí me parece fantástico, es una manera de acercar la poesía
a los niños de que la aborden de manera distinta, cómo se puede abordar en clase. Y vamos, los niños los veo entregadísimos, implicados. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Alors bon, bah, moi j'adore la poésie, j'adore le théâtre, donc là c'est vrai que ça mêle les deux, puisque ben, y a une dimension d'écriture, mais il y a aussi de l'improvisation, on a fait aussi beaucoup d'expressions corporelles, donc je trouve ça vraiment très intéressant à tous les points de vue. Voilà, création et puis échange, puisque là il y a différents spectacles, on se fait des petits spectacles en petits groupes, mais aussi tous ensemble, un grand spectacle ce soir. J'aime la folle cruauté, les chimères qu'on apprivoise, mis les lèvres, versez-moi le thé, dans la belle tache chinoise. Là, sous un ciel rouge irrité, une dame fière et surnoise, montrant de longs yeux de turquoise. Yo espagueti. Mi momento favorito del día. Los espaguetis me dan energía para seguir disfrutando la vida. Por eso te amo, comida. Yo, una sandía. A la rica sandía le debo yo la vida, rica en verano con su toque sano. Poésie en français, donc ça permet aux élèves de partager des sentiments, de partager des émotions à l'oral, mais aussi poésie en anglais ou en espagnol. I'm not just a man, I'm burned the world, and nobody can stop me just with words. I'm not just a man, you know I eat all the life like meat. I'm not just a man, I'm bad, I took the earth and God is mad. I'm not just a man, I'm the worst cannibal, for my creepy passions I become an animal. I kill my brothers, I hit my sisters, cause I love the domination. I live in corruption, the death is my wife. I'm not just a man, I'm the human. Je vais mourir! Poetry is very important in America as it is here in Europe. The history of it, the vocabulary of it, and the way to express one's feelings is very important. And whether you do it in English or in French or in Spanish, it's very important for the children to learn this. And it's a great opportunity to express. Leur monde imaginaire tel qu'ils le rêvent, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait plus de guerre, où tout le monde serait en paix et où la nature serait protégée. Alors, participent à ce projet 9 établissements de la Mission Laïque Française. Les rencontres poétiques me tiffent l'âme. Et qu'est-ce qu'il fallait dire sur le monde? Bah, dire le monde. Une impression très positive, très chaleureuse. Vous voulez la poésie? Queda. ¿Quieres poesía? Toma. Ça, c'est de la vraie poésie. Et los temas más diversos que han elegido para el tema de dire le monde. Pues hay mucha gente que ha escrito sobre la libertad de expresión por los acontecimientos que ocurrieron desgraciadamente en París. Hay mucha gente que ha elegido el tema de la paz, de la solidaridad. Yo creo que ellos buscan siempre
los valores que ellos consideran que son los más importantes que pueden expresar, ¿no? Quizás lo más difícil sea trasladar eso al mundo cotidiano de cada día, ¿no? Que ellos puedan escribir poemas sobre cosas que ocurren cada día, ¿no? Que también tienen su importancia. J'ai oublié dans mon cartable. Apporter mes châteaux de sable. Mon cerf-volant, des coquillages. Et le particule de la plage. Maman m'a dit. Ce n'est pas permis. Et puis tout ça? Ça ne rentre pas. Alors j'ai pris un beau stylo. Pour le goûter, quelques gâteaux. Et que des choses raisonnables. Plus trois petits grains de sable. Pierre Rio. Eh bien, il a fallu demander aux enfants de travailler, il a fallu les initier aux règles de la poésie, aux règles de diversification, pour les formes fixes de poèmes, puisque certains niveaux avaient à faire des sonnets, ou trois strophes, des quatrains avec une longueur de pied fixe, que ce soit alexandrin ou octosyllabe. Donc il a fallu retravailler tout cet aspect mécanique, hein, de la poésie. Et puis il a fallu choisir les meilleures productions, que ce soit des productions écrites ou sonores ou théâtrales. Et puis il a fallu décider de quels seraient les heureux élus qui viendraient avec nous. Il a fallu trouver quels étaient les accompagnateurs. Voilà, ça a fait énormément de travail en amont. Vont se conclure par un concours de poèmes avec différentes catégories, selon les âges, avec différentes contraintes, puisqu'on a demandé aux enfants d'écrire selon les contraintes de la poésie, avec des rimes, avec des vers, avec des pieds. Et le poème sera l'occasion, ces poèmes-là seront l'occasion de mettre en avant l'originalité dans l'écriture, parce qu'on s'aperçoit que les élèves ont de très grandes ressources dans l'écriture. À la révolte dans les rues rouges, au vent qui chuchote une vraie vie, je vote pour la société des rêves, pour une pluie dorée, un désert vert, pour des cascades interminables. Pour changer l'ordre et le désordre, pour danser sous la nuit ensoleillée, pour que l'hiver soit chaud et l'été froid, parler d'amour pendant plusieurs printemps. Émotion, cri, fou, l'espoir, oui, non, lire le monde dans un tableau rond. Je voudrais que les absents soient vivants, que mes yeux brillent dans l'obscurité, que ta vie blanche croise la mienne, et avec le mot « silence », je crée des sentiments chaleureusement bleus, comme l'eau s'évaporant au pôle Nord. El mundo es colorido, arcoíris desvanecido. En él puedo aprender, viajar, cantar, jugar y soñar. En el mundo hay amistad, bondad y mucha generosidad. Todos debemos ser amigos, y no habrá guerras ni enemigos. El mundo está vivo, lleno de seres queridos. Gran corazón, veloz conciencia de tu voz. L'idéal, c'est la paix sans cesse. Un endroit où il n'y a pas de guerre. Un monde inondé par la gentillesse. Comme une chanson que me chantait ma mère. Donc vous aurez tous la charge de ramener, j'espère, ce petit diplôme chez vous. Je vous disais, quand vous êtes arrivé le premier soir, la poésie, c'est pour les vieux, ou c'est ennuyeux. Et je crois que vous avez démontré, mais alors de belle façon et de belle manière, que la poésie est vivante. Donc je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu. Je sais que
Certains d'entre vous ont vécu de très belles choses, mais sachez que nous aussi, que vos accompagnateurs, je crois aussi, ont vécu 3 jours très intenses. Mais s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est cette envie de partager la poésie que vous nous avez fait vous-même partager. Secrets are burning a hole through my heart, my bones got your fever. When it got you up this deep, I try to find a way to breathe. Your eyes are swallowing me, mirrors start to whisper, shadows start to sing. My skin smothering me, help me find a way to breathe. Time stood still, though. From here, do I disappear? The edge of the world. Should I sink or swim or simply disappear? Your eyes are swallowing me. Your start to whisper, shadows start to sing. My skin smothering.